Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Overlord. La dernière fois nous étions attaqués par des yeux, on n'avait plus de verre. Là ce coup-ci on a des verres. On va en prendre 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le reste en brun. Allez les gars, personne n'est éternel. Mais on doit utiliser les verres pour nous sauver. Alors, à savoir que j'ai retué les deux yeux normaux. Envoyez-vous l'arbin plus haut. Putain, Biscornu, tais-toi. Qu'est-ce qui m'empêche de te tuer, Biscornu? Et donc, nous étions attaqués par l'avatar de la colère. C'est comme ça que je l'appelle. Allez, venez! Putain de... Bouge! Oh là là! Mais sur quoi? Qu'est-ce que vous attaquez là? Ah bah merde alors! Eh non, mais butez pas mes verres! Pourquoi ils défendent pas? Allez, mais réveillez-les, putain! Laissez-moi dire, ils vont arriver en mode... Alors déjà. Les rouges. Ici. Ça m'énerve ce système rouge. Un rouge, là. Voilà. Devant, bon. Protéger. Et les verts avec moi. Ils vont crever, putain! Allez, revenez. Non, mais qu'est-ce que vous foutez, les bleus? J'ai dit non! Putain, ils vont encore crever, ça va être encore de ma faute, on va dire. Non, mais c'est parce que tu leur laisses pas de liberté! Si! Justement! Je les ai mis à côté en leur disant n'y allez pas! Et ces abrutis, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont! Alors que j'ai encore une armée de verres, si je veux. Putain, mais regardez-les. Ils attaquent même pas quand ils sont à côté. Putain, il me reste plus que 4 rouges. Les bleus, du coup. Et pourquoi vous me suivez, les bruns? Sautez lui dessus maintenant. Hey, t'es encore vivant, toi? Nous ne voulions pas du tout vous trahir, Seigneur. C'est juste ce qui est arrivé. Nous étions faibles. Pardonnez-nous. Laissez-nous encore vous vénérer, Seigneur. Ils sont aussi fidèles que des patates, Seigneur. Cool. Faites de ce que vous voulez, mais dépêchez-vous. Cal se dirige vers le pic du paradis. Tous. En Cal est au pic du paradis. Donc cet enculé a l'audace d'attaquer Abondance, ma ville, mes larbins. Alors en parlant de larbins, récupérez-moi de la santé et tout ce que vous trouverez dans ce putain de village. Thank you.
Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Eh, mais d'habitude, tu nous le coupes, ça, maintenant. Tu ne le fais plus avec nous. Oui, bah écoutez... Là, c'est important pour l'histoire. C'est une question de punition. Et je suis plus ou moins sûr que je vais avoir affaire au même type de créature au pic du paradis. Vous ne servez à rien. Revenez tous parce que le pillage n'est pas fini. Si je me souviens pas la dernière fois, on parlait d'un... Ah bah tiens, du coup, il y a un truc rouge ici. Du coup, la dernière fois, on nous avait parlé d'un mage, si j'ai bien compris. Et que c'était lui le cerveau derrière tout ça. Du coup, lui, c'est juste les muscles, et à mon avis, je devrais affronter le mage comme boss final. Ou bien Biscornu, comme je l'ai dit, ça trouve, je pense que c'est Biscornu qui est en fait le mage, et qu'il a peut-être voulu se venger de ses anciens comparses, en créant un Overlord qu'ils avaient avant détruit. Parce qu'il me semble bien que le mec, il a dit, mais on t'avait détruit. Ça veut dire que je suis peut-être... J'ai peut-être été ressuscité en mode, mais tu viens d'être tué, en fait. Parce que le Palalol avait l'air de voir Overlord et de dire qu'il m'avait déjà tué. Ce qui est pas très ragoûtant, vous en conviendrez. Donc on retourne à la tour pour se téléporter au pic du paradis. Bienvenue. Dis-moi mon nouveau titre. Exécuteur des traîtres. Exactement. Alors, calmez-vous tous ici. On est dans les pics du paradis. Ouais. Encore ces putains de créatures. Il y en a plein. Ça va être une plaie. Attaquez les créatures du dessus, maître. Que le chaos s'abatte sur ces misérables. Vous rappelle, messieurs, vous aussi des traîtres. J'ai pas encore de larbin, du coup je peux me permettre de tous vous tuer. Qu'est-ce qu'il fout? Là, toi, viser. Ok, on a des haches ici. C'est moi où il y avait des rouges là. Voilà. Allez les verts, suivez-moi. On continue sur votre... Continuez sur votre lancée ici.
Je n'ai plus de verre à invoquer. Me suit. Apparemment, on a encore quelqu'un à buter ici, si c'est bien et bien ici qu'on doit buter des gens. Bien que je ne crois pas. Non, c'est fermé. Donc, allez-y. Ici, il y a des boîtes. Pillez, détruisez, récupérez tout ce que vous pourrez. Il faut que vous soyez une armée quand même. Con, vous pétez une boîte et vous regardez même pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, regardez-moi ça. Ils sont pas mignons, mes larbins, comme ça. Tout en or. Je sais ce que vous allez dire. Et t'as pas besoin de bras si c'est pour attaquer des créatures inférieures volantes. Oui, mais c'est des créatures inférieures volantes. Dangereuses. Et je pense qu'on vient de faire le ménage et que là, on va tomber sur notre ami le chevalier géant parce que ça ressemblait déjà à une arène à la base. Oh putain. Oh, il est grand. Toi, moi connaître toi, toi prendre elle, toi mettre Khan en colère. Ah bon? Ok, donc déjà, il faut que tu le saches. Tout le monde est là pour toi. Elle de moi, il veut lui faire mal. Oh, tu t'en vas? Continuez mes petits rouges. Allez, tout le monde me suit. On va essayer de voir si on peut pas se trouver un petit quelque chose. Bon, c'est soit du vert, soit du rouge. Il nous en manque que deux. Putain, il a tué que deux personnes, ce con. Ouah, mais il est nul. Alors, je suis sûr que vous êtes en train de dire... Ouais, il est nul, t'as vu les dégâts qu'il a fait à la ville? Et alors? J'aurais pu en faire autant, si j'avais voulu. Regardez-moi ça, c'est lâche. Ils attaquent tout de suite les rouges. Et les bleus foutent encore pas leur boulot. Et ils sont incontrôlables, voilà, je les contrôle pas. Il l'a ramené ou pas? Non, il l'a pas ramené, évidemment qu'il ne l'a pas ramené. Vous pensiez sincèrement que le fait d'avoir des rouges dans la team ça a aidé? Non. Enfin, des bleus dans la team ça a aidé? Non. Je suis en feu là. Et littéralement, c'est la chaleur qui fait dehors. Et pourtant, j'ai un climatiseur là juste à côté de moi, mais ça fait rien du tout. Il envoie de l'air frais sur moi, mais l'air frais ça va d'un côté, mais de l'autre côté, je suis en transpiration complète. Alors je sais que vous voulez pas des détails comme ça quand vous regardez une vidéo, mais c'est important de savoir pourquoi en même temps je suis exaspéré parce que mes larbins ne font pas ce que je veux. Mais regardez-moi ça. Mais c'est quoi ce bordel?
Ah, je l'ai vu. Faut que je ferme les portes de la ville. Ou que je la batte directement. Elle à moi. Lui part et témoin. Toi part et témoin. Comment ça, lui? Évidemment, les premiers arrivés, c'est les rouges. Et ceux qui défendent la roue, c'est les bleus. Bravo! Allez, on y retourne. Il vient de le dire, là. Le mage. Donc c'est le mage qui l'a empêché de venir. Quoi? Je croyais que vous en étiez occupé. Putain, me dites pas que vous avez laissé la porte ouverte. Putain. Voilà, enfin des larmes utiles. Mais ils sont pas utiles, c'est des larmes infinies, ils savent à peine se battre. Oui, ils savent se battre. D'où leur extrême qualité. Citez-moi d'autres larbins qui savent se battre et qui ne font rien. Exactement, les rouges. Bon, c'est à 30 secondes, c'était une putain d'hécatombe de rouges. Vous voyez voir combien il en reste? 4, 8, 2. Voilà. Hécatombe. Et eux, ils savent pas viser. On s'en fout des larbins. Doit protéger. Elle besoin calme. Non, elle a besoin d'aller à Monaco, pas à Cannes. Bon, il est où? Parce que techniquement, si les trucs bleus là n'arrivent pas sur moi, j'en ai aucun besoin de les détruire. What? What? Ah non, faut quand même pas recommencer depuis le début, oh putain. Créature du dessus, maître, que le chaos s'abat. Oh, biscornu, c'est de la merde. Bon, ellipse. J'ai dit ellipse. Oh, même mes boutons, ils me font chier. Oh, ça fait déjà 3 fois que j'ai refait ce passage et regardez ce qu'il me reste comme larbin, quoi. 3 rouges. Tous mes bras sont fait miner à cette phase, je sais même pas pourquoi. Mais débile, mais le mec il est gigantesque, mais t'as vu ta vie en plus. Ouais mais écoutez, il m'a foncé dessus. Et en plus il y a les putains de soldats qu'il faut que j'affronte. Et j'ai beau utiliser toute la puissance du monde, le mec il a rien à chaque fois. Ce qu'il faut c'est éviter ces petits sautillements. Et éviter qu'il ramène des larbins. Ce qu'il y a de bien avec ces larbins, c'est qu'ils reculent plus souvent qu'ils n'avancent. Quand ils affrontent des brins ou des vers, ils se font très vite submerger. Non, revenez! Revenez, ils ont des bombes! Les cons, à chaque fois qu'ils vont sur un objet à moi, ils reculent maintenant. Viens,
pas ça, de toute façon, on l'a vu. Non, mais pourquoi est-ce que vous me mettez dans ce sens-là? Suis-moi mon con, suis-moi. Allez, viens. Continuez de l'enflammer, les gars. Allez-y, foutez-lui le feu. Bah, ça va être chiant, mais bon, c'est une bataille chiante, hein, apparemment. Ça se voit, c'est... Parfois, il faut venir le gratter un peu. Non mais... Voilà, l'ennemi. Foutez-lui le feu! Il a l'armure qui a fondu sur son corps, quoi. Non, il va falloir que j'aille achever ce grand géant. Finissez-le. Khan ! Khan ! Si vous connaissez la référence. C'est nécessaire. Revenez vite à la tour. Ça sent pas bon. Salut tous, le retour du grand.
Grand Overlord, la seule incarnation du mal. Ah non, pas vous, le véritable Overlord. Trahison. J'ai toujours été fidèle au mal. Je ne pose pas de questions. Le mal fait ce qu'il a fait. Bienvenue, monseigneur. C'est le mage, j'en suis sûr. Je suis enfin chez moi. Même si pour ça, il a fallu que j'emprunte cette enveloppe corporelle fatiguée et desséchée. Vous devez connaître mes filles. Voici Satine. Je me souviens à peine de lui, papa. Elle s'est montrée très utile. Et puis voici Rose. Malheureusement, elle n'a pas été aussi coopérative. Comme si j'allais décider de m'associer à une personne qui trouve ma sœur utile. Oh ! Tu pensais m'avoir tué, n'est-ce pas ? Toi et tes amis héroïques. Oh, j'étais un des héros ? Mais j'avais prévu de faire un petit voyage, d'être un peu dans la peau du bien, au sens propre. Ce crétin de mage pensait avoir le dessus, jusqu'au moment où j'ai purgé son âme et pris possession de sa carcasse de mortel. D'accord, ils ont... les guerriers... Il faut bien le dire, c'est vraiment un plan très pernicieux. D'accord, alors du coup les guerriers ont buté l'ancien Overlord qui s'est réfugié dans le corps du mage. Ils n'ont pas pu résister à mon influence corrompue. Et il a corrompu tous les guerriers. De pureté, d'obéissance. Il fallait juste pousser au bon endroit. Dans chacun des... Mais quant à toi, dépêché. Tu es tombé, et les autres t'ont lâchement abandonné, désespérés qu'ils étaient de devenir des héros. Je t'ai donné une deuxième chance, une voie différente. Tu m'as été utile, mais désormais, tu es un obstacle en travers de mon chemin. Pourquoi ? Je veux bien servir le mal, moi. Mais il m'a volé mes larbins. Il n'était rien comparé à votre suprême malveillance. Bande d'enculés de traîtres. Quand je pense que tu utilisais mes sangs, c'est fini. Non, ma puissance. Non, il faut que je nous débarrasse de ta présence physique. Tu t'es déjà occupé des autres pour moi, mon cher petit pantin. Maître, tant qu'il vous reste de l'énergie, je peux vous parler directement. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Je sais, l'orbe de Tour. Rose, où vas-tu ? Ne me force pas à te tuer. Il y a le bouffon et Biscornu qui vont après elle. Bon, je suis qu'une merde maintenant. Ils sont tous descendus au sous-sol, donc je peux me balader librement dans ma tour si je veux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Sûrement dans le prochain épisode, vous aurez la fin de Overlord. C'était Devil.